Alors Jean-Pierre, enchanté. Voilà, moi c'est Pierre. J'explique en 2 secondes ce qu'est un contact défunt, parce que je pense que vous ne connaissez pas. Du tout. En fait, la médiumnité, ça sert à être l'intermédiaire entre le monde terrestre et le monde subtil. Donc le monde subtil, vivre les êtres que nous avons aimés, qui nous ont quittés, donc qui ont quitté leur enveloppe charnelle, qu'on appelle leur véhicule, pour devenir corps céleste, et donc énergie consciente. Et donc ils ont des possibilités de nous envoyer des informations, mais tout le monde peut le faire, hein. Nous, c'est moi, c'est une passion, j'en ai fait un métier, mais tout le monde peut capter un message, une voix, une image, quelque chose comme ça. À partir du moment où ils ont envie de le faire, parce que c'est pas nous de les connecter. Je vais prendre votre main gauche, ça ne me dérange pas. Pourquoi la gauche? Parce que c'est celle du cœur. Et on fait toujours tout avec le cœur. On fait des grandes choses avec le cœur. C'est Jean-Pierre. Hein. Oui. Merci. Alors, la première chose que je reçois, c'est que je reçois un homme qui est de l'autre côté, qui se présente à moi. Pour l'instant, il ne parle pas, parce que d'ailleurs, c'est quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup. Donc, c'est quelqu'un qui était assez intimiste. On parle au niveau émotionnel, au niveau sentiment, au niveau affectif. Il le montrait pas. Mais je sens quand même une grande gentillesse derrière. C'est quelqu'un qui a un front plus dégagé que vous. Donc, c'est comme s'il avait beaucoup moins de cheveux. Vous voyez, ça vous parle, quelqu'un comme ça. C'est un homme, hein. Donc qui doit avoir. Il n'y a pas de temps de l'autre côté, mais quand il se présente, il se présente souvent avec leur visuel qu'il préfère. Donc il faut faire attention à l'âge en général. Il faut toujours en rajouter un peu parce qu'il se présente toujours un peu plus jeune dans le visuel. Donc cet homme, il doit avoir, je sais pas, 70 ans, 75 ans, dans ces eaux-là. Donc c'est quelqu'un qui est parti il y a quelques temps déjà, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Et ça vous dit quelque chose, hein. Pas pour Il y a l'instant, non. longtemps qu'il est parti. Longtemps. Il me dit que vous étiez jeune quand il est parti. Vous étiez petit, quoi. Oui. Hein? Donc c'est quelqu'un que vous n'avez pas connu beaucoup. Et que vous avez croisé, certainement. Et ses familles, hein, c'est sûr. C'est peut-être un Famille. grand-père, grand-père, un grand-père, mais c'est quelque chose comme ça. Hein? Un regard fixe. Un regard fixe. Hein. Je situe maintenant. Ça y est? Un regard Ouais. très fixe. Ça y est. Vous voyez, c'est un peu le gars. Voilà.